Salut tout salut et bienvenue dans une toute nouvelle vidéo. Et aujourd'hui les gars, on se retrouve pour une vidéo ma foi magnifique. Parce que oui, aujourd'hui les gars, je suis, voilà je le dis, je suis dans un métier les gars qui est incroyable, c'est le métier de dépanneur mais dénicheur de voitures de luxe. Et voilà, je peux vous dire en fait, voilà, j'ai ouvert une petite concession de dépanneur quoi. Je veux dire un truc vraiment basique, simple. Mais je suis pas n'importe quel dépanneur. Je suis pas le dépanneur qui va chercher des Renault, qui va chercher des voitures basiques quoi, qui va dépanner sur l'autoroute. Non, moi je suis un dépanneur et chercheur à la fois. Donc voilà, j'ai des gens qui m'appellent, qui me disent voilà, tel endroit t'as ça, tel endroit t'as ça, et moi je dois dénicher, je dois trouver où est-ce qu'elles sont. Et donc aujourd'hui les gars, on a pas mal de trucs à trouver, on va voir ce qu'on va trouver, on va voir ce qu'on va trouver sur notre route et tout. On a un petit garage, je vais vous présenter ça tout de suite. En tout cas les gars, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner, c'est pas déjà fait. Et puis voilà, c'est génial, c'est magnifique, c'est trop beau. Voilà. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous kiffez cette vidéo, si vous voulez que je fasse un épisode 2 avec d'autres voitures. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires également quelle voiture vous voulez que je cherche la prochaine fois. Donc voilà, si par exemple vous voulez que je cherche pas une Ferrari, une Lamborghini russe, je sais pas moi, une Rolls Royce, tout ce que vous voulez quoi, même une Renault on la prend, tout ce que vous voulez, voilà, vous me le dites. Et du coup, let's go, c'est parti, à tout de suite pour la vidéo. Ok, donc du coup les gars, on est dans mon petit garage, donc mon petit garage qui s'appelle Omega. Voilà, c'est le nom que j'ai décidé de mettre à mon garage. Donc je suis posé, j'ai mon petit véhicule de dépannage, qui est trop génial d'ailleurs, ouais, il est génial ce véhicule. Voilà, regardez, hop, on monte dedans, tranquillement. Voilà, vous connaissez le dépanneur. Ouh, faites ça. Hop, hop, tu vois, hop, hop, et c'est magnifique. Pour accepter un boulot, appuyez sur L, voilà. On a même des boulots de dépanneur, les gars. Là, je suis vraiment... je suis un dépanneur quoi. Donc là j'ai mon petit garage, j'ai mes petits outils ici tranquillement. Je vous fais une petite présentation rapide du garage. Voilà, là t'as tout, bah, là, pour monter les voitures, tout ça. Là t'as encore des outils ici. Au calme. Là t'as les jantes de toutes les voitures que j'ai trouvées. T'as les pare-chocs également. Ici on a tout ce qui est pare-chocs. T'as encore du moteur, t'as des pots d'échappement. T'as pas mal de trucs, voilà, c'est un petit garage tranquille. Ici on a le petit atelier pour la dame de ménage qui s'appelle Patricia mais qui n'est pas là aujourd'hui malheureusement. Et ici, on a tranquillement, voilà, vous avez vu comment c'est ouvert. Bah là, c'est le petit salon pour se poser, pour manger, pour se poser, voilà, c'est pour accueillir les clients. Et ici, le bureau de la secrétaire. Mais la secrétaire, je sais pas ce qu'elle fait en ce moment, mais elle, voilà, elle est pas là. Et ici, on a la petite porte qui mène directement au bureau, petit bureau invisible, hein, d'ailleurs, au passage. Donc du coup, les gars, c'est parti, let's go. On va pouvoir aller tranquillement chercher notre voiture. Oh, il y a la police là où je rêve. Il y a la police. On va pouvoir aller chercher nos voitures et j'espère qu'on va pouvoir trouver des voitures. Si, ici, centrale, répondez. Oui, bah, je réponds. Répondez, comment ça, répondez. Laissez-moi faire mon boulot. Hein. Voilà, ma secrétaire, elle est à distance. Elle est en train de travailler là. Alors, on m'a dit qu'il y avait un véhicule dans cette zone ici. On va aller voir ce qu'il y a. Donc, normalement, c'est dans cette zone ici. Donc, d'après ma secrétaire, on va voir si. Bon, sur la route, on peut trouver des beaux véhicules. Voilà, attendez, je vais voir si mon truc, ouais, c'est bon. Il est à fond, je l'aime bien à fond vers le haut. Ouh là 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 là, faut pas que je fasse... Voilà. Je commence plutôt bien mon appel pour une voiture en panne. Vous pouvez la ramener. Allez chercher une voiture en panne. Non, mais moi, j'ai pas envie d'aller chercher une voiture en panne, laissez-moi tranquille. Comment ça, je vais chercher cette voiture? Moi, je veux chercher ma voiture. Bon, allez, on va aller voir... Vous savez quoi, allez, on va aller voir c'est quoi la voiture là-bas. Ok les gars, du coup c'est parti, j'active mes petites... Ah, en fait j'aurais pas dû appuyer parce que ça acceptait la mission, c'est pour ça. Bon, pour une première voiture, j'espère que ça va pas être de la merde. Qu'est-ce qu'on a? Bonsoir monsieur. Mais vas-y, laisse-moi tranquille, toi tu veux quoi? Il s'accroche à la voiture. Bonsoir monsieur, ici dépannage service, let's go, vous voulez quoi? Qu'on dépanne votre voiture, allez c'est fait. Et tu viendras pas monter avec moi, non voilà, tu montes pas avec moi. Comment ça, vas-y monte avec moi, vas-y monte avec moi, tu me fais de la peine, vas-y monte. Dépêche-toi, voilà, allez, 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 plus vite que ça là, plus vite, plus vite. Bonjour, salut Gilbert, allez monte, c'est bon, t'es parti, on va te déposer. Remonter, remorquer le véhicule jusqu'au garage, ok. Wow, regardez les gars, hi. Il y a T-Rex à gauche. Bonsoir T-Rex, comment vas-tu? Il est en train de manger le gars, il est au calme, il mange un hot dog. Oh, regardez, il y a un flic avec des jumelles les gars à gauche. À droite, pardon, il y avait un flic avec des jumelles. Ah ouais, et les flics sont chauds, hein, franchement. Le mec, il a des jumelles, il est au calme. Il est posé, quoi. Mais ça fait quoi, genre, si je passe à, genre, je passe à fond, et le flic, il a des jumelles, c'est vraiment qu'il va m'arrêter? Franchement, je sais pas, mais c'est à tester. Nous, ce qu'on veut, c'est des grosses voitures, je sais pas, des Ferrari, des trucs comme ça, quoi. Donc, il faut absolument qu'on trouve ce genre de voiture. Ok, on est arrivé, les gars. Alors, on doit la déposer où? Et bah voilà,
500$ qu'on s'est fait. C'est pas mal comme métier, dépanneur, non? On va à notre endroit, on va à notre quartier et on se retrouve tout de suite quand on est au quartier. Ok les gars, du coup je viens de faire le tour du quartier et je viens de trouver une dinguerie. Voilà, j'ai trouvé, voilà, je le dis, j'ai trouvé un véhicule magnifique. Je faisais le tour du quartier, je faisais le tour du village et regardez ce que j'ai trouvé, c'est génial les gars. Je sais pas ce que c'est encore, je le vois de loin, là je le vois de loin. C'est parti, let's go, on va y aller, c'est parti. Regardez, regardez-moi ça, regardez-moi ce véhicule que je trouve là. Alors il est ici, ça va être un peu compliqué pour la dépanneuse, je vais me garer là en attendant. Oh, c'est quoi ça les gars? Oh shit! Mais attendez, non, je crois pas, ne me dites pas. Me dites pas que c'est possible. On voit rien en fait. On peut pas voir, on peut pas confirmer parce qu'il n'y a pas les. Mais c'est une embauche, je crois, les gars. On peut pas voir parce qu'il n'y a pas les signes, elle est brûlée. À côté, il y a quoi? À côté, c'est un petit véhicule normal. Et là, on a vraiment trouvé une Lamborghini abandonnée, les gars. Je crois que c'est une Lambo. Ça m'a l'air d'être des phares de Lamborghini. Moi qui ai conduit une Lambo dans la vraie vie, je peux vous confirmer ou non. Je dirais que oui. Je dirais que c'est une Lambo. Écoutez, on va aller au Let's Custom. On va la prendre. On va aller tranquillement au Let's Custom. On va aller au mon garage. On va voir ce qu'on peut faire de cette magnifique voiture. Il ne faut pas que. Voilà. Hop, elle est juste derrière, les gars. Par contre, la dépanneuse, est-ce qu'elle passe ou pas? Parce que vraiment, je vous ai dit, c'est vraiment des endroits. À dénicher un peu space. Ah, y a peut-être moyen. Le problème, c'est comment je vais faire pour la sortir. C'est ça le truc. Ok. Moi, je suis là. Oh, ça va être hardcore. Hein. Pour la choper, je sais pas comment je vais faire, les gars. Elle s'accrochait. Oh, c'est génial ça. Oh oui, attendez, parce que là je commence à me coincer. Oh oui. Oh oui, viens ici toi, petite Lamborghini. Tu vas venir dans mon garage. Oh shit, c'est bon les gars, c'est bon. Oh oui, j'ai une Lambo les gars. J'ai trouvé une Lambo abandonnée. Ok. Elle est avec nous les gars. C'est bien une Lambo, hein. Ouais, je crois que c'est une Lambo. Non, là, il y a le dépanneur qui m'appelle les gars, non, malheureusement. Je suis pas disponible, on va mettre le point OLS Custom juste ici, on va aller voir, on va aller chez mon ami Fred pour voir comment ça se passe. Mais en tout cas, regardez-moi juste là, attendez, je vais essayer de vous montrer le derrière. Regardez le derrière, comment il est magnifique. C'est stylé. Regardez-moi ce derrière, ça c'est un derrière de Lambo, hein, je pense. Hein. Je pense que c'est un derrière de Lambo. Faut voir si ça m'a l'air d'être ça. Ça m'a l'air d'être ça. On va confirmer ça de toute façon quand on arrivera au LS Custom et qu'on testera tout simplement le Gamos, qu'on le réparera. Normalement, ça devrait se réparer assez rapidement. On a déjà commandé les pièces. Non, je crois qu'on n'a pas commandé les pièces, mais disons que normalement, Fred, il a ce qu'il a. Parce qu'en fait, nous, comme je vous ai dit, on est dénicheurs de grosses voitures. On est dénicheurs de voitures de luxe, les gars. Ok, les gars, on est sur la route 68. Let's go! Let's go, let's go, Lambo. Non, faut pas que je l'écrase quelqu'un quand même. Faut pas que je tue quelqu'un avec ma Lambo. Oh, yeah, yo. Oh, punaise de punaise. le pire dépanneur du monde, les gars. Bah, c'est moi, voilà. J'ai des voitures de luxe et je fais n'importe quoi. Oh, les petits. Bonsoir. Salut, toi, comment vas-tu, mec? Bien. Bah, oui, il va très bien. Hein. Il est en train de faire sa vie tranquillement. On aurait dû s'arrêter prendre un petit fruit quand même pour fêter ça, les gars. Les gars, si c'est une Lamborghini, si c'est confirmé. C'est incroyable. C'est incroyable. Je sais pas de quelle couleur d'ailleurs. Ok, on est arrivé les gars. On est arrivé. On va la poser ici. Bonsoir Christophe, comment vas-tu? L'accès à Los Santos, c'est impossible sans véhicule. Bah t'inquiète pas, on a un véhicule. Hey Christophe. Yes. I have a big vehicle. Yeah, viens voir. Bon, ok, je le fais rentrer, c'est bon. Je le fais rentrer. Bon, il a dit que je le faisais rentrer, c'est parti, on va le faire rentrer. Mais non les gars, regardez. Regardez-moi ça les gars, c'est une Lamborghini. Shit, regardez, je zoome dessus les gars. Oh my god, on a trouvé une Lamborghini abandonnée. Regardez-moi le derrière. Oh, magnifique, y a rien à dire. Regardez-moi cette beauté, c'est de pure beauté. Bon, on va la mettre à fond. Bon, il y avait déjà pas mal de trucs custom dessus. Ok, peut-être que les phares néons, il n'y a pas. Si, ok, support néon, il y a. Ah, support néon, il n'y a pas. On va mettre en jaune, voilà. Jaune, ok. On va pouvoir changer tout ce qui est plaque. Plaque, on va mettre une jaune aussi. Et on va pouvoir mettre de la couleur, les gars. Eh oui. Oh, shit, en noir, elle est incroyable aussi.
Et moi, personnellement, je pense que je vais la mettre en métallisé. Lamborghini, vous connaissez, soit orange, mais bon, non, jaune racing. Ah ouais, là, comme ça, là, incroyable. Jaune racing, et ça fera bien, jaune racing, ouais, ça va ressortir le... ça va ressortir les roues. Ok. Non, mais les gars, c'est une Lambo. On vient d'avoir une Lambo gratuitement. Bon, on va payer quand même le matos qui coûte quand même assez cher. Type de roue. On va mettre jantes de série, les gars. Oh shit, les gars. Regardez les jantes de série. Elles sont magnifiques. Ah ouais. Ah ouais, c'est non, mais c'est trop là. Regardez-moi ces jantes, les gars. Ok, couleur, bon, ça, on s'en fout. Pneus, on va mettre pneus à l'épreuve des balles quand même. Ouais. Fumée de pneus en jaune. Vitre. Limousine, eh bien écoutez, c'est fini. On se remercie à toi, Christophe. Oh là là. On va la pousser à fond, les gars. On est sur la route 68 en plus. Et c'est une Lamborghini qu'on a. Incroyable. On va aller au garage. Hein. On va aller au garage la ranger. Non mais j'y crois pas, les gars. On vient de trouver une Lamborghini. Si vous kiffez, les gars, dans les commentaires, mettez un petit pouce bleu. Voilà. On va pas la dégommer. Hein. Voilà. Forcément, on fait des accidents. Elle est trop belle. Elle est vraiment trop belle. Elle pousse un peu ça. Elle va à fond. Vous savez quoi, les gars? Je fais une ligne droite et ensuite je reviens à mon garage. Je bombarde. Écoutez-moi ce bruit. Je vous laisse écouter le bruit. Ah ouais, je freine un peu, les gars. Ah ouais, c'est magnifique. Sérieusement, c'est... il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire. On vient de trouver... Eh oui, dépanneur de luxe. Première voiture Lamborghini. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires quelle voiture vous voulez que je cherche pour le prochain épisode. Et voilà, pour le, je sais pas, moi, par exemple, si vous voulez une Ferrari, si vous voulez, on va aller chez Omega dans mon garage, on va la ranger. On va finir tout ce qui est finition, etc. Je vais la mettre, ouais, je vais la ranger ici, les gars. Je vais la ranger là, c'est déjà pas mal. Voilà. Ah ouais, elle est vraiment trop belle. Elle est vraiment trop belle. Ouais, sérieusement, là, je vais vous mettre en première personne, regardez-moi ça. C'est le tout de beauté. En tout cas, les gars, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner si c'est pas déjà fait. Et puis, bah, sur ce, on se laisse là-dessus. Ciao tout le monde, ciao.